Le vendredi 24 novembre, Cyril Hanouna animait un nouvel épisode de Touche pas à mon poste. Au cours de la soirée, le présentateur a questionné son chroniqueur Hugo Mano sur ses expériences amoureuses. En seulement 2 saisons, Hugo Mano est devenu un des chroniqueurs incontournables de l'émission diffusée sur C8. Âgé de 34 ans, il est surtout connu pour être en couple avec Laurent Ruquier depuis 2018. Lors d'une interview avec Gala, le présentateur de BFM TV avait évoqué leur rencontre. Au départ, leur contact était simplement pour discuter d'un programme de remise en forme. C'est vrai. J'étais célibataire à cette époque. J'ai toujours été attiré par la beauté, et il est très beau, avait confié Laurent Ruquier. Pour être honnête, je le trouvais un peu sombre sur Instagram. Il ne souriait pas, comme ces mannequins qui pensent que c'est classe de faire la gueule, avait-il ajouté. Vendredi 24 novembre, Cyril Hanouna a animé un nouvel épisode de Touche pas à mon poste. Au cours de la soirée, le présentateur a interrogé Hugo Mano sur ses conquêtes féminines. « Tu t'es déjà tapé une meuf ?» a-t-il demandé directement. « Bah oui, bien sûr », a répondu le chroniqueur, avant de donner des détails sur le nombre de femmes avec qui il a eu des relations. « Peut-être 5, 6 », a-t-il avoué. « C'était avant mes 25 ans, c'était vraiment quand tu découvres ta sexualité », a-t-il précisé. « Et alors t'as pas kiffé ?» a ensuite demandé Cyril Hanouna. « Il y a une fois c'était pas mal, et je me demande si un jour je le referai ou pas avec une femme, ça se trouve », a expliqué Hugo Mano. « Si Laurent nous regarde ça va lui faire plaisir », a plaisanté Cyril Hanouna. « Non mais je vais encore vivre longtemps », a poursuivi Hugo Mano. « Qu'est-ce que t'es en train de dire ? Que Laurent ne va pas vivre longtemps ?» a continué le présentateur. « On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve », a ajouté le chroniqueur, créant ainsi une séquence cocasse.